Dans ce tutoriel, on va voir comment on peut cacher un élément dans une vidéo, c'est-à-dire ajouter une mosaïque. On pourrait dire aussi un flou, mais une mosaïque, ça marchera mieux euh, sur une vidéo euh, importée dans Shotcut. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer tout ce qu'on a fait la dernière fois. Donc ici, je vais simplement supprimer toutes ces pistes parce que on va refaire un truc avec une autre vidéo. Voilà, supprimer toutes ces pistes et je vais ajouter en fait dans ma ligne de temps euh, cette vidéo là avec la coccinelle parce que c'est celle qui va se prêter le mieux en fait à la démonstration. Donc j'ajoute ça, on va agrandir un petit peu histoire de voir mieux les choses. Donc ici j'ai en fait une vidéo où on voit une coccinelle, on va essayer de gagner un petit peu. En place voilà, et on voit une coccinelle qui bouge légèrement en fait, qui bouge un petit peu sur les feuilles, elle passe d'une feuille à l'autre, enfin elle tourne en fait, et euh, c'est assez basique. Et imaginons que je souhaite que cette coccinelle ne soit pas visible dans la vidéo, c'est-à-dire que je, je veux la flouter je, euh, ou, ou mettre une mosaïque dessus. Ici, c'est une coccinelle, ça aurait tout à fait pu être. Euh, euh, un interview d'une un, personne et puis j'aurais voulu flouter peut-être les visages de, de, de la personne en question ou alors ça aurait pu être euh, euh, je montre en fait une partie de l'écran une capture d'écran et puis il y a peut-être un numéro de série d'un logiciel et je voudrais cacher ce numéro de série dans ma vidéo ou alors peut-être qu'il y a une, une information, une donnée, un logo, quelque chose qu'il faudrait cacher parce que YouTube ne voudrait pas en fait que l'on affiche le truc ou peut-être parce que euh, la marque ne voudrait pas que ce soit affiché en fait euh, dans les vidéos YouTube par exemple. Donc comment on peut faire ça Ici, bah, c'est tout bête, tout simple. C'est un effet qui est vraiment très basique. Je vais dupliquer en fait euh, ma, ma piste. Alors c'est-à-dire que je vais, en fait je vais ajouter une autre piste. Ici, ajouter une piste vidéo et je vais mettre en fait la même vidéo dessus. Voilà, la même vidéo dessus. Petite astuce, euh, oui, que ici j'ai mis la, ma vidéo, je pourrais la déplacer comme ça pour aller la remettre en fait ici, juste au beurre, comme euh, pour qu'elle soit alignée avec l'autre. Mais quand on a un espace vide comme ça et que l'on souhaite en fait déplacer euh, un élément de manière à, à faire disparaître cet espace vide, on peut aussi faire un clic droit sur l'espace vide. Et puis sélectionner supprimer. Ça supprime l'espace vide. Ne le faites pas sur la piste, forcément, parce que si vous faites supprimer ici, ça pas sur, sur, sur le clip, parce que sur le clip, ça effacera le clip. Mais vous voyez que quand il y a un espace vide ici, je peux faire un clic droit supprimer, ça supprime l'espace vide. Ça évite, en fait, ici, si vous n'avez pas le, le magnétisme activé, ça évite ici de, de laisser, en fait, des fois un pixel de noir, un pixel d'espace de, vide. Donc là, en fait, j'ai deux fois ma vidéo. Euh, qui se joue. Je vais couper le son de la, de la piste 2 parce que je n'ai pas besoin d'avoir le son euh, sur les deux pistes. Donc cette piste là, ça va être la piste de mon effet. Je, je vais d'ailleurs renommer ça, je vais l'appeler euh, mosaïque. Alors pourquoi mosaïque Parce que je, je vais mettre un, un, une mosaïque dessus, c'est-à-dire que cette euh, coccinelle va, va être complètement cachée par un effet de mosaïque. Seulement, je ne veux pas que l'effet mosaïque est un effet sur toute la vidéo. Je veux cacher que la coccinelle. Ici, si je sélectionne ce clip, je vais dans filtres et j'ajoute mon effet de mosaïque. Alors, je vais dans les filtres, dans les filtres vidéo et je vais chercher mosaïque. Là, mosaïque. Je clique dessus. Vous voyez que ça, ça me cache en fait toute la vidéo. Et c'est pas ce que je veux. Ici, je peux jouer en fait avec la, la largeur de. de des pixels on va laisser les trucs par défaut pour le moment euh, et ça me cache en fait toute la vidéo je peux pas dire je veux juste que ça soit cette partie là alors en fait si on peut mais il faut ajouter un autre filtre alors je vais ajouter un autre filtre je clique sur le petit plus et je vais aller ici dans euh, crop rectangle donc dans vidéo je cherche crop la crop rectangle et je sélectionne ça tac ça m'ajoute si vous voyez, ici un, un grand rectangle de sélection que je peux déplacer comme ça et ça me permet en fait voyez, de, de couper en fait euh, une partie de la vidéo c'est à dire que je, je sélectionne en fait que la partie que je veux qu'il soit visible euh, ici dans dans crop dans euh, notre, notre effet crop on a ici padding color c'est la couleur du fond la couleur qui est autour de cet effet cropé de cet effet coupé donc euh, ici je peux tout à fait sélectionner le sélecteur de couleurs. Et au lieu de choisir une couleur, ici dans Canal Alpha, je vais mettre 0. C'est-à-dire que je vais demander à ce que la couleur soit transparente. Donc ici je mets 0 et je fais OK. Et en fait, vous voyez que ça me... Ça me met en fait, ici à la place du noir, ça me met du transparent. Et donc, comme c'est transparent, on voit ce qu'il y a en dessous. Et je peux donc déplacer comme ça mon effet mosaïque. Et le mettre à la taille que je veux. Sur ma vidéo. Ici, j'ai Corner Radius. Corner Radius, c'est euh, l'effet... Alors, je vais retirer... Le, le, non, je vais laisser l'effet de mosaïque pour que ça se voye, Mais je vais peut-être faire ça. Je, je vais cacher la piste qui est dessous pour que ça se voie. Si j'augmente ici Corner Radius, voilà, ça me fait des beurres arrondis. Et ça, c'est quand même plus sympa pour notre effet. Donc ici, je mets Corner Radius à 100%. Je vais rafficher la piste qui est en dessous. Je mets ici le padding color, on s'en fiche de la couleur ici, je mets du noir et je mets surtout ici canal Fa à 0 et je valide avec ok. Et puis le crop rectangle, je vais le mettre au-dessus du de mosaïque, Voilà, histoire d'être un peu plus logique, je, je, je fais ça, l'effet mosaïque aura qu'un effet sur cette partie là. Et donc ça, je peux en fait le déplacer où je veux. Et là, vous voyez les, les petits chronomètres, ça veut dire que je peux mettre des clés d'animation là-dessus. Donc euh, c'est très, très chouette parce qu'en fait je vais pouvoir animer le truc. Donc je vais essayer de m'arranger pour que cet effet crop soit juste à la taille qu'il me faut, la taille en fait de la coccinelle. Alors je peux aller dans Mosaïque et puis jouer. Il faut bien que je clique. Tac. Tac, dans Mosaic, et ici je peux jouer avec la largeur et la hauteur des, des petits carrés. Euh, ici 2,5 par défaut, ça me semble bien, ça cache assez bien. On sait que c'est une coccinelle dans notre cas, mais ça serait un visage, il serait bien caché, je pense. Donc je retourne dans Crop, ici rectangle. Je me mets, par exemple, au début de ma vidéo, je place ça correctement sur la coccinelle. Alors, on va essayer de s'arranger pour que ça soit bien mis. Voilà, là ça serait pas mal si je, je fais ça. Là, ça, ça cache bien la coccinelle. Je sélectionne bien ce, ce clip-là. Euh, donc je suis sur Crop Rectangle et je clique ici sur le petit chronomètre une seule fois. Tac. Et ici en fait je suis passé dans, non plus dans la timeline, time mais dans image clé. Vous voyez que ici j'ai l'onglet timeline et ici j'ai l'onglet image clé. En cliquant là-dessus, je, là je passe dans image clé et mon clip, seulement le, le petit bout qui était sélectionné, s'affiche ici. Et là, en fait, il y a un petit losange. Alors, je vais essayer de vous bien montrer. Ici, il y a un petit losange qui s'est ajouté. Ici, il est, il est coupé en deux, mais bon, il y a un petit losange qui s'est ajouté qui veut dire, ici, on a mis une clé d'animation, c'est-à-dire ici, on sait que ces quatre paramètres-là, qui sont en face de, de ce petit chronomètre allumé, euh, ont ces valeurs-là. Donc, si j'avance un petit peu dans ma vidéo ici, c'est-à-dire que j'appuie sur espace pour faire lecture, on voit que ça avance, et là, en fait, je peux... Là, j'ai remis pause en appuyant sur la touche espace. Je peux me dire ici, bah oui, c'est un petit peu décalé. Donc ici, je vais déplacer ça un petit peu comme ça. Et je relâche. Et vous voyez que ça me fait un autre petit losange. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a une clé d'animation. Les, ces... Les paramètres ont pris ces valeurs-là. Je refais espace. Je vois que ça avance. Tac. Ici, je peux peut-être me recentrer un petit peu. Comme ça. Je refais espace. Ça joue, ça joue. Ah, là elle est un petit peu décalée, donc je me replacer correctement. Je refais espace, ça joue ici, peut-être un peu plus bas comme ça. Et vous voyez comme ça, en fait, tout le long de mon clip, partout où je veux, en fait, euh, flouter, enfin, mosaïquer, je sais pas si ça se dit, euh, un élément de la scène, je vais comme ça ajouter des clés d'animation. À chaque fois que je vois que ça se décale un peu trop, qu'il y a un risque qu'on voit le truc, je, je replace ma, 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 mon petit rectangle de, de mosaïque. De manière à ce qu'il soit bien placé sur la, la coccinelle. Voilà. Et à chaque fois, en fait, Shotcut ajoute ici un petit losange qui indique à cet endroit-là, les valeurs ont pris tel, tel, tel nombre, tel chiffre. Donc ici, comme ça, peut-être un petit peu plus bas ici, j'ai juste à faire espace pour faire lecture. Ça joue, tac, et puis en fait, je, je réajuste le truc. Euh, un petit peu où je veux. On peut jouer aussi avec la taille, forcément. Je pourrais le faire plus grand à certains moments. Je pense qu'à certains moments, ça sera utile de le faire plus grand. Donc ici, elle est un peu plus décalée comme ça. Voilà. Je me ressente à chaque fois. Là, là par exemple, elle est totalement ressortie. Donc ici, je remets ça là. Voilà. On peut revenir un petit peu en arrière pour vérifier comment c'est. Parce qu'il faut, faut réajuster un petit peu. Donc ici, c'était bien. Là, c'est un peu plus bas normalement. Voilà. Là, est... Là, on a un peu trop décalé. On va se réajuster. Comme ça, je peux revenir un petit peu en arrière. Alors, évidemment, c'est un petit peu loin à faire. Euh, Shotcut n'a pas encore tous les, euh, tous les outils qui permettent de rendre ça mieux. Mais ça viendra avec le temps. Ici, je peux peut-être agrandir un petit peu mon... Voilà ma zone de mosaïque parce que là, là on a un peu zoomé en fait dans la vidéo et donc la coccinelle est un peu plus grande voilà là je réajuste alors plus on met de, de clés d'animation plus on est précis et plus euh, en fait ça ça passe bien mais il faut, faut bien vérifier au moins deux fois euh, pour être sûr que, que c'est bien fait je vais peut-être pas faire toute la vidéo parce que ça c'est long quand même c'est assez long et c'est pas très intéressant. Puis je pense que vous avez compris le système. Je replace bien. Là, je vérifie. À chaque fois, si ça sort pas en fait de ma zone de mosaïque, j'ai juste à la redéplacer en fait à chaque fois. Et ça recrée un petit losange, une clé d'animation. Bon, là, ça a dépassé un petit peu, mais bon. Maintenant, je vais laisser. Euh... Oh. On va essayer de se replacer comme ça. On va revenir un petit peu avant. Un petit peu avant, c'était comment euh... Hop, bon, regarde, on va vérifier. Là, on est à peu près dedans. C'est toujours camouflé, ah, là, un petit peu avant. Un petit peu avant ici. C'était plus comme ça peut-être. Là, on n'est plus dessus, donc je remets ça au bon endroit. Tac. Là ça a l'air bien. C'est à peu près bon. Ouais. On arrive sur la fin. Finalement, je vais avoir tout fait. Ici, je replace ça bien dessus. Et les quelques frames avant. Les quelques frames avant c'était beaucoup plus bas. Donc on repasse bien là où il faut. Voilà. Et je pense que là c'est bon. Donc si je m'en mets tout, tout, tout au début. Et que moi bon, je peux passer dans la dans la timeline, peut-être. Oh pas encore, je vais d'abord vérifier. Euh, ici, si c'est bien comme il faut. Ça a l'air d'être bien. J'ai bien suivi le truc. Alors ici, j'ai mis un effet mosaïque. Il faut savoir qu'on pourrait tout à fait mettre un effet à la place de mosaïque. On pourrait mettre un effet flou, par exemple. Mais je préfère l'effet mosaïque. Alors pourquoi Parce qu'en fait, un effet mosaïque, on ne peut pas revenir en, en arrière avec des logiciels. C'est-à-dire que si ce que vous cachez, c'est quelque chose de très important, genre euh, un numéro de carte bancaire. Ou, euh, ou un numéro de série d'un logiciel euh, avec un effet flou il faut savoir qu'il y a des logiciels qui permettent de déflouter en fait des, des images donc avec un effet flou on peut avec certains logiciels revenir un petit peu en arrière c'est pas parfait mais ça, ça, ça permettrait de lire quand même du texte euh, par exemple ou de reconnaître peut-être un visage alors que l'effet mosaïque c'est vraiment un effet destructeur c'est à dire qu'on ne peut pas revenir en arrière il n'y a pas de logiciel qui permette de virer une mosaïque et de, de remettre en fait de la définition à la place donc euh, l'effet mosaïque est plus sécurisé plus sécurisant en fait pour, pour cacher en fait un élément là je peux revenir dans la timeline tac on va, on va retirer voilà je sais que une notre piste pour retirer en fait le, le petit cadre et puis là en fait vous voyez que maintenant on a créé notre petit effet. Flouté. Alors ici, euh, comme j'ai dit, j'utilise mosaïque, un effet mosaïque. On pourrait l'utiliser aussi un effet flou, comme je l'ai dit, mais on pourrait aussi utiliser d'autres effets si si l'idée n'est pas, si pas de, de cacher en fait un élément, mais par exemple d'ajouter un, un effet sur une vidéo, par exemple un changement de couleur ou peut-être un changement euh, de contraste ou de saturation. Euh, eh bien on peut utiliser exactement la même méthode, voilà. Donc je remontre un petit peu le truc. On sélectionne, on fait un double du clip, on sélectionne ce double euh, qui doit bien être sur une, une piste au dessus. Je coupe le son parce que je n'ai pas besoin d'avoir le son en double. On ajoute un filtre crop rectangle qui permet en fait de spécifier une zone dans la scène. On met ici corner radius à 100%. On n'est pas obligé, ça c'est juste pour avoir des bords arrondis, c'est plus joli. Le padding color ici, très important. On choisit par exemple du noir. Et ici, on met du canal alpha à 0. C'est-à-dire pour avoir du transparent à 100% transparent. Et on valide comme ça. Je ne l'ai pas mis enfin, comme il faut. J'ai mis 255. Je, voilà, je mets bien 0. Et je fais OK. Et vous voyez, en fait, ça met du transparent à la place du noir. Et donc ensuite, dessous, on peut ajouter un, un calque mosaïque. Si je retire le calque mosaïque, en fait ici il n'y a que la découpe, mais comme euh, c'est deux fois la même euh, clip vidéo, deux fois le même clip vidéo, on voit pas de différence. Voilà. Euh, et puis c'est tout. Voilà. Et ça c'est pour euh, cacher, euh, mettre en flou ou en mosaïque dans, dans le cas présent euh, un élément dans une scène. Ça peut être un visage, ça peut être un numéro de série de logiciel, ça peut être un logo, ça peut être euh, beaucoup de choses. Tout ce que vous avez besoin de cacher dans une vidéo. Voilà, voilà.